Et bonjour les amis trailers. Alors voilà, on est arrivé à la fin de la semaine, c'est la troisième séance. Vous avez tenu bon les deux premières. Bon, on est parti pour la troisième, alors dans ce cas-là. Alors c'est une séance, bon, on va dire une séquence où le rythme sera un petit peu plus élevé. On va travailler l'endurance, hein, on va plus travailler les montées et les descentes. Ça c'était la séance précédente. On va travailler sur un terrain légèrement vallonné si vous avez, mais sinon une petite forêt bien plate, quelque chose de des petits sentiers, des petits zigzags, des petits dévers éventuellement. Voilà, pas quelque chose de terrible au niveau dénivelé en tout cas. Alors la séance, elle va s'organiser de façon très très simple. C'est 70% de la FC Max déjà pour commencer et pendant 40 minutes. Donc là, vous êtes en endurance. 40 minutes, on y va, tranquille. Et puis au bout de 40 minutes, bip, et ben là, il va falloir accélérer. Pendant 15 minutes, je vais vous demander de monter un petit peu plus et de garder le rythme pendant ces 15 minutes sans relâcher à 80% de la FC Max. D'accord? Voilà, c'est tout simple. Et puis on termine par 2 à 5 minutes de retour au calme. Pour récupérer, dans ce cas-là, bah, faites une marche active, ou alors un petit trot, un petit. Voilà. En tout cas, faut redescendre à 70% de la FC Max, tranquillement, peinard. Si vous voulez, vous pouvez faire ça sur une petite pente ou un faux plat, si vous avez. Voilà, c'est parfait. Alors, tout simplement, faites attention à votre respiration pendant ces 15 minutes. Essayez de ne pas trop hyperventiler parce que le piège, c'est de monter pendant 15 minutes, tenir 80% de la FC max. Et là, on va chercher de l'air un petit peu. Donc, ne surventilez pas, ça va vous gêner et ça va vous épuiser. Il faut savoir que surventilé, c'est un apport trop riche en oxygène, ça va vous mettre dans un état pas terrible. Hein? Donc soyez attentif à votre respiration, à votre rythme, essayez toujours d'être d'avoir une bonne posture également. Voilà, toujours de l'hydratation, de l'eau avant, de l'eau pendant, de l'eau après, et regardez la météo et prenez les équipements qui s'imposent, casquette, coupe-vent, voilà. Gants, bœuf, essayez de vous équiper en conséquence. Voilà les amis, c'était la troisième et dernière séance de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce plan d'entraînement qui va vous mener à faire un trail de 20 à 40 km easy. Voilà, allez, ciao!